Salut les loustics, c'est Van Axel et bienvenue dans un passionné de musique des cours. Vous commencez à connaître la formule, on bosse pas pendant les morceaux, on balaye tous les styles musicaux, il y a du bon partout donc on va pas se priver. Aujourd'hui, je voulais revenir sur une suggestion de Jilloin qui me disait d'écouter. Il me disait tiens, ça manque d'électro sur la chaîne. C'est vrai qu'il y a quelques trucs d'électro, mais c'est pas un style que je fais fréquemment. Même si c'est un style sur lequel j'aime bien aller de temps en temps et j'aime bien les touches électroniques apportées dans certains genres. Et il me proposait différents artistes. Dont Noisia. Noisia que je connais via notamment des prods et des remixes qu'il a fait, tu vois, de Foreign Beggars, par exemple le morceau Contact, il est avec Noisia. Il avait fait un groupe également, dont j'ai plus le nom, I Am Legion, je crois, un truc comme ça, avec des gars de Foreign Beggars, si je dis pas de bêtises. Pas mal connu, il avait fait des remixes de Skrillex, enfin tu vois, des trucs comme ça. Mais je connais assez peu ses prods et ses sons à lui. Il m'avait conseillé le morceau Tommy's Theme, donc on fait ça sans plus tarder, morceau de 4 minutes 40, le clip, c'est parti! À fond chez vous, bien sûr. Morceau qui est assez vieux. Hein. 12-13 ans, un truc comme ça. Tu sens tout de suite la couleur musicale, comment dire, la production. Il y a beaucoup d'attention portée à la production. Le moindre hit de batterie, tu vois, il est produit parfaitement comme il le veut, quoi. Bien distordu. M'attendais à un drop, mais pas qu'il y ait des leads au sang autant distordu, tu vois. C'est un gros gain là. Le drop il est limite dubstep mais sans l'aspect wobble bass, tu vois. Le panning il est incroyable également. Le panning c'est la gestion stéréo gauche-droite en fait. Pipe en noir et blanc aussi j'aime bien. C'est bien parce qu'il laisse quand même bien respirer le morceau, tu vois. Parce qu'il donne encore plus d'impact quand ça drop. Il joue bien, il s'amuse beaucoup avec son lead là. Avec des basses qui vrombissent bien derrière là. J'avais jamais entendu ce morceau, c'est très très chaud. Oh, les flics qui tabassent la planète, hein, on connaît.
j'aime ce passage là, tu vois, qui est musicalement assez simple, mais la production est très très bonne et très complexe. Et il garde cette petite ligne d'accord mélodique là. En gros, des pads pour donner un petit peu de... Pas de... un côté orchestral. Et bah c'était très cool, ça passe très vite, c'était Noisia avec Tommy's Team. Ça a probablement tourné en... en Belgique, ou en Pays-Bas. D'ailleurs Noisia peut être néerlandais, je ne sais pas du tout. Je pensais qu'il était anglais, du Royaume-Uni, mais j'ai peut-être faux. Bah c'était un très bon morceau, merci d'avoir suggéré. J'aime beaucoup les textures en fait utilisées dans le morceau. J'aime beaucoup la production musicale au-delà du morceau, tu vois, qui est finalement simple avec une mélodie simple. J'aime beaucoup le choix, tu vois, des leads vraiment très très blindés de disto, blindés de quin, qui viennent. On est limite un, enfin on n'est pas sur du lead acide, mais tu vois, tu le mets vachement aigu avec plus de disto, ça donne un lead acide. Alors que je m'attendais pas du tout à ce genre de lead. On arrive sur ce genre de choix musicaux et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la production de manière générale, les textures, c'est-à-dire qu'il y a des moments où la musique est simple. Et pour autant, ça n'en est pas moins compliqué au terme de production, tu vois, en termes de mixage, de tout ce qui est artifice, on va dire, de travail. C'est-à-dire que la moindre coup de caisse claire, il y a des heures et des heures de boulot sur le choix de la caisse claire, le choix de la façon de produire la caisse claire, tout ce qui est post-process et ces choses-ci. Je suis pas expert dans la production musicale, mais je connais quelques petites choses. Et en fait, tu sens vraiment qu'il y a un travail et un détail apporté à chaque élément du morceau pour en faire le morceau qu'il veut, en fait. C'est-à-dire que tu peux reprendre la même composition et le mixer complètement différemment, choisir d'autres instruments pour jouer les différentes parties, et t'as quelque chose de complètement différent. Là, il a vraiment choisi ça dans un but précis, et ça fonctionne avec ce morceau, et c'est super bien fait, c'est un travail d'orfèvre. Donc merci d'avoir suggéré, j'ai passé un super moment, j'espère que vous aussi, et je vous dis à la prochaine, Noustic, ciao, des bisous.